Bonsoir et bienvenue. Ça, on a tout essayé. Ce soir, sur notre plateau, Christine Bravo. Jean-Bernard Lévé. Jean-Luc Lemoine. Sophie Garel. Christophe Alévêque. Elsa Fayet. Je crois que c'est la première fois. C'est la première fois que cette configuration est réunie. Et vous, mon cher Jean-Bernard, qui êtes là de ce côté en tant qu'intellectuel. C'est-à-dire que c'est la première fois que je vois Christine Bravo de face. Et alors ? J'ai peur. On se disait, elle est belle comme tout. On se disait, les gros sont pas de rides, hein, finalement. Respire quand même, parce que là... Les gens dans la rue me disent, mais Christine, ils sont dégueulasses avec vous. Ah oui. Vous êtes beaucoup moins grosse dans la vie qu'à la télé. Alors je veux... Il faut rester dans la vie, alors. C'est pas qu'on me fait des compliments, mais parfois je me dis que je suis un saint. Parfois je me dis, comment j'ai pu, que ça fait combien de temps que je la connais, cette fille-là? 15 ans. Un saint gauche ou un saint droit? Bah, j'ai pris qu'un saint parce que les deux sont pas possibles. C'est la télé, ça. Tu m'as supplié de venir dans ton émission. J'étais une vedette de télé. Tu m'as rabaissé au rang de chroniqueur médiocre. C'est vrai que j'étais là quand tu l'as supplié. Mais tu sais, mais tout le monde m'aime bien dans cette émission. Bah évidemment, hein. Quand tu fais de la peine aux gens, bah, on t'aime bien à la fin. Non, non, c'est que je suis copine avec Catherine Barma et vous avez les sapouettes. Je suis la chouchoute. Qu'est-ce que vous avez autour du cou, ce petit truc-là? Ça s'appelle un sautoir. Ah ben... Ça, c'est pour les sauteuses. Si ça intéresse quelqu'un. Allez, je crois qu'il est temps de passer à la photo du jour. Et cette photo, c'est celle de Cécilia Sarkozy à la une du Parisien. L'éditeur contre-attaque, titre Le Parisien. On ne sait pas encore, en effet, si la biographie écrite par Valérie Demas, la journaliste biographie de Cécilia Sarkozy, sera interdite ou définitivement, ou si elle sortira un jour. Le Parisien nous parle d'une véritable bataille judiciaire autour de cette biographie interdite. Il faut dire que nous avons réussi à nous procurer la couverture du bouquin et on comprend mieux pourquoi ça embarrasse Monsieur Sarkozy. Voilà. Et en fait, la journaliste qui a écrit cette biographie, au départ en accord avec Madame Cécilia Sarkozy, dit que si l'éditeur ne publie pas ce livre, elle exige que l'éditeur fasse une lettre et dise « je ne veux pas publier votre livre » pour qu'elle puisse le faire publier par un autre éditeur. A-t-elle déjà trouvé un autre éditeur? Il paraît que oui, on n'a pas le nom de l'éditeur, mais on a sa photo. Vous lirez s'il sort ce livre? Ah ouais, c'est du pia-pia pur. Moi, je trouve ça dégueulasse. Est-ce que feriez-vous un bouquin où vous raconteriez avec qui vous avez couché, comment ça se passait? Elle ferait des encyclopédies. Elle ferait un DVD. Non, je ne crois pas. Allez. Passons comme chaque vendredi à la revue de presse des dessins humoristiques de la semaine et on commence avec Honoré dans Charlie Hebdo qui nous montre que le président Chirac est enfin sorti d'un long silence. Et voilà, la seule phrase qu'il dit, c'est « il est fou à Flelou ». Dans le même journal, Charlie Cabu nous rappelle que mardi prochain, notre président fêtera ses 73 ans, mais les bougies sont un peu spéciales, comme vous pouvez le voir sur le gâteau. On passe à gauche avec un beau résumé du congrès du Parti Socialiste au Mans. C'est le dessinateur Honoré qui nous fait ce résumé dans Charlie Hebdo. Véritable rillette de synthèse, 100% pur PS, allégé en Montebourg, fabriqué au Mans, ingrédient gras de Hollande, maigre de Fabius, abat de Payon et conservateur DSK. Pierre Leroux, dans Le Canard Enchaîné, nous fait parler de ses inquiétudes et surtout des inquiétudes de José Bové. Regardez, José Bové inquiet, il dit « j'aimerais quand même bien savoir si au premier tour j'affronte Hollande ou Fabius ». Retour à Paris sur le perron de l'Elysée avec Cardon dans Le Canard Enchaîné puisque la semaine dernière, le président Chirac a reçu, vous le savez, les jeunes talents des cités. Et on voit le président qui dit à ces jeunes qui ont réussi, eux, à s'intégrer, il leur dit « vous devez avoir dépassé le périph' pour quelle heure ?» Le dessinateur Delambre, dans le même journal, nous emmène en banlieue et nous parle d'un retour de flamme. Et on voit des jeunes qui disent « on n'a rien fait flamber cette semaine ». Si, la cote de Sarko dans les sondages. Une interpellation dans les cités vue par Bernard dans Charlie Hebdo et on voit des flics qui s'adressent à un jeune banlieusard et ils lui disent « sors-nous ta crise d'identité ».
Toujours dans Charlie, Luz nous montre que lors des émeutes en banlieue, certains ont tout de même été épargnés. Alors on voit le bordel dans toute la banlieue et au milieu un château. Et du château on entend « Oh, j'ai trop la pression pour le prime ». Dans Le Canard enchaîné, le Fred Touron est revenu sur une semaine sociale compliquée. On voit un couple, la femme dit à son mari « Et s'il n'y a pas de transport en commun, comment tu vas faire ?» Et le mari dit « J'irai travailler en voiture brûlée ». La mise en vente des actions EDF hein, qui ont chuté a inspiré ce dessin à Charbes dans Charlie, 5 millions de petits actionnaires. Et on voit une dame qui dit à son mari « T'as pas payé l'électricité ?» Il dit « Non, c'était ça ou acheter des actions hein. ?» Un petit coup de Beaujolais nouveau, le Fred Touron l'a goûté pour nous dans Le Canard enchaîné, il sent le vin, arrête. Un dessin de Bouchard dans Le Point, un peu compliqué mais regardez, c'est le petit Poussé avec ses frères et sœurs, et parmi ses frères et sœurs, au petit Poussé, il y en a un qui dit « Poussé a raison, si on ne veut pas bosser toute notre vie pour payer la retraite des parents, il faut les abandonner dans la forêt. » Les temps ont changé. Allez, un petit Gueuluc pour la route, un dessin de Gueuluc. Regardez, incroyable, des frères siamois par les ongles. Alors, il y en a un qui dit, plus ça pousse, plus on s'éloigne. Et l'autre qui dit, on les couperait bien, mais comment attraper les ciseaux? Le 5 novembre dernier est sorti Les Conspirateurs aux éditions Albin Michel, le nouveau roman de San Sha, l'écrivain chinoise désormais bien connu, à qui l'on doit entre autres Les Quatre Vies des Sceaux, L'Impératrice ou le fameux, souvenez-vous, best-seller La Joueuse de Go, ouvrage vendu à plus de 100 000 exemplaires à l'époque et pour lequel elle avait obtenu le prix Goncourt des lycéens, un prix d'ailleurs toujours de très très couru parce que c'est vrai que c'est une énorme récompense, peut-être plus maintenant que le vrai Goncourt, ce Goncourt des lycéens. En tout cas, ça l'avait aidé elle à se faire connaître encore plus, plus habitué aux aspirateurs qu'aux conspirateurs, Sophie Garel a lu pour nous ce livre. Du vent, oui. Accueillons tout de suite l'auteur des conspirateurs paru chez Albin Michel, San Sha. J'ai encore écorché votre nom, pardon. San Sha. Je ne suis pas le seul, j'imagine, à dire parfois San Sha au lieu de Shan Sa. Votre livre, Les Conspirateurs, a été lu par Sophie. Je vais lui donner la parole dans deux minutes. C'est vrai que j'ai évoqué ce prix du Goncourt des lycéens qui avait récompensé cet ouvrage, La Joueuse de Go. Ça a été votre meilleur prix, le prix le plus intéressant que vous ayez reçu ou pas? Est-ce que c'est un bon souvenir, ce Goncourt? Si je peux l'avoir tous les ans, je pense que j'écrirai pour ça, pour avoir ce prix. Et en tout cas, c'était un merveilleux cadeau de la part de la jeunesse. De l'avenir de la France et j'étais vraiment très contente. Votre dernier livre, Les Conspirateurs, Sophie l'a lu, je vous propose de l'écouter, vous réagirez après. Alors c'est un roman très intimiste parce qu'il n'y a que trois personnages essentiels et il y a trois parties dans ce roman. Alors ça démarre comme un roman de gare en fait, une histoire d'amour un petit peu bateau, on se dit tiens on rentre dans un petit truc, c'est bien, on va passer un petit bout de temps. Un bel américain blond, bronzé, 1m90, arrive dans le quartier de Saint-Sulpice près des jardins de Luxembourg. Il rencontre une asiatique magnifique, entièrement drapée dans du noir, mystérieuse déjà dans son physique, mais qui ressemble beaucoup à notre auteur, et il a quand même un petit coup de cœur pour elle. Enfin, on croit qu'il a un petit coup de cœur pour elle. On dit, tiens, ça va marcher, ça va être chaud, ça va démarrer. Et puis, il la croise, il la recroise, il l'invite à prendre un verre, il l'invite à dîner, et il essaie un petit peu d'en croquer, mais bon, elle s'est un peu réservée. Et petit à petit, quand même, on s'aperçoit que lui connaît des choses sur elle. Il lui pose des questions. Waouh, mutisme, du péril jaune. On n'en sort pas. On n'en sort pas un mot. Elle dit simplement, je donne des cours de chinois à des enfants et je suis maître d'arts martiaux. Et puis, page 93, enfin, consommation intense. On est fou de bonheur. On dit, ça y est, l'histoire d'amour est bien enclenchée. Bien que quelques petites bricoles nous aient fait penser qu'on allait vers d'autres choses dans ce roman. Et puis, il la consomme. Elle nous la fait toujours mystérieuse. Je suis frigide, mon pote. Et tu peux toujours ramer. Lui, il dit, je vais te soigner, comme tous les mecs. Ça, on les connaît. Et puis, on arrive à la deuxième partie du bouquin. Deuxième partie du bouquin,
on s'aperçoit en fait, et troisième partie que je vous laisserai. Il y a quatre parties dans ce film. Non, trois. Donc moi j'aurais fait que la première, mais. La quatrième partie, c'est la fin. Alors bon, on en parle. Non, il n'y a que trois parties. Il y a trois parties, on s'aperçoit trois en fait. Pour te le dire. Bon, d'accord. Trois parties. Trois personnages, trois parties, c'est facile. Et on s'aperçoit en fait que cette fille a été soi-disant, parce que tout est faux, tout est vrai, c'est mensonge, fourberie, pataquès. Le bel américain, bah, lui, fait partie de la CIA, il essaie de la piéger, ils essaient de se séduire pour s'entretuer. Il y a un troisième personnage qui est un genre de conseiller économique du Premier ministre qui, lui, fait du trafic d'armes avec la belle chinoise qui consomme aussi. Et puis, enfin bon, trois personnes qui essaient de se... je dirais pas de se baiser, mais c'est un peu ça, car ils baisent en plus. C'est très, très complexe, il y a plein de trucs... Et une fin qui part un petit peu, j'allais pas dire en couille non plus, mais qui part un petit peu en fuite comme ça. C'est un petit peu dommage parce que c'est une fuite en avant. Voilà, une fuite en avant parce que jusqu'à la fin. Mais je trouve que il manque un petit peu d'intensité, non seulement amoureuse, puisque amour il y a ou il n'y a pas, on n'en sait rien. Et il manque un peu d'intensité dans le thriller, en tout cas dans le roman d'espionnage. On se dit, on voudrait être un peu plus essoufflé. On arrive assez calmement à la fin, mais on a passé un bon moment. Bon. Vous voulez ajouter quelque chose sur le résumé qu'on a fait, Sophie ? Je trouve ça tout à fait explosif et c'est ce qui a manqué dans mon livre, c'est-à-dire il n'y a pas des coups de pistolet ni des bombes atomiques, mais ce sont des gens quand même qui détiennent la clé des trafics d'armement mondiaux. Donc j'ai construit un roman à trois actes. C'est une pièce d'intimité où il y a seulement trois acteurs, mais en fait il y a trois nations derrière ces trois personnages. Les États-Unis, la France, la Chine, il y a un enjeu énorme qui sera le futur puissant de ce 21e siècle, qui est maquillé en compétition de séduction. En fait, c'est une compétition de puissance économique, militaire et diplomatique. Et t'as rien compris au livre, toi. Elle dit ce que j'ai pas dit. C'est bien. Mais non, mon livre, il faut lire et relire. Non, mais moi, je crois que c'est parce que peut-être que demain matin, vous rencontrez un beau garçon aux cheveux blonds et aux yeux bleus et qui vous sourit et qui vous dans dit, madame, vous étiez formidable et prenons l'ascenseur ensemble, peut-être que ça vous changerait un peu votre vie. Bah oui, mais pendant ce temps, je ne lirai pas, en tout cas. Christine l'a lu aussi. C'est pas mal, franchement, parce que je l'ai lu vraiment et j'avais envie, moi, de savoir comment ça allait se terminer et tout, l'histoire d'amour, tout ça. Mais alors, c'est d'une froideur, Chansa. Vous êtes, je crois, de mon quartier, Saint-Sulpice, Luxembourg. Physiquement, ça se voit que vous êtes de mon quartier. Nous sommes blondes tous les deux. Enfin, l'est de Saint-Sulpice. Et alors, vous avez... Tout se passe à Saint-Sulpice. Oui, et moi, je suis de Saint-Sulpice, fille de Saint-Sulpice. Et vous avez rendu mon quartier d'une froideur. Moi, je parle du style. Je ne parle pas de l'histoire. Moi, l'histoire, j'ai bien accroché. Et le style, il est très direct. Il n'est pas... moi, j'aime bien, tu vois, parce que j'aime bien les écrivains américains. J'aime bien quand ça va vite. J'aime pas les superlatifs, les machins. Mais tout est froid. On va m'en coller une avant tout la fin de l'émission. Tout est froid. C'est-à-dire, le Luxembourg est froid. Le tracé du Luxembourg, sans mystère. La place Saint-Sulpice, on la sent en hiver. Vos rapports sexuels, c'est gelé, glacé. Il n'y a pas d'amour. Laisse-moi finir. Elle dit, les animaux baissent pour procréer. Pourquoi les hommes se mettent-ils dans un lit avec des contraceptifs? Pourquoi cette acrobatie, ces bruits inutiles? Donc, est-ce que vous êtes comme ça dans la vie? C'est-à-dire, parce que c'est vrai qu'on se dit, les Chinois, on se méfie un peu, c'est-à-dire, on ne sait jamais. Mon Dieu! Les Chinois! Elle avait commencé l'émission avec quelque chose! Je ne suis pas là! Écoute, il n'y a pas une bouffe que je préfère à la bouffe chinoise. Il n'y a pas un peuple unique. Quel rapport avec le livre? Mais quand je dis... Alors en entrée, t'es 12. On ne peut pas... On ne perce pas votre mystère. Vous direz quand elle aura fini. Vous direz quand je peux revenir. Vous êtes pour moi, si vous voulez, des mystères. C'est le mystère de cette Asie qui ne montre pas, qui ne dit pas. On ne sait jamais si vous souriez, si vous êtes en colère. Et je trouve que ce livre est un total reflet d'une culture comme ça, très hermétique. On ne sait pas si cette femme jouit.
On ne sait pas si vous jouissez, on ne sait pas si vous aimez, on ne sait pas... Mais c'est l'histoire du livre aussi. On la laisse répondre. Voilà. D'abord, c'est un espionnage. Donc, pour ça, il faut bien connaître les espions. Aujourd'hui, les espions, comme les footballeurs, comme les nageurs, ils ont performé. Donc, ce sont des hommes qui ont un ordinateur dans la tête. D'accord. Et qu'ils ont des masques, hein. Qu'ils ont des masques successifs. Et qui ne trahissent jamais leurs émotions, car ce sont des gens qui ont été pris en charge par les États lorsqu'ils sont très jeunes. Et ils sont là pour à la fois manipuler, aussi pour faire des filatures. Donc ce sont des gens qui ont un danger de mort permanent. Donc ils ne peuvent pas se permettre de se laisser aller. Donc moi, j'ai créé trois personnages, la chinoise, l'américain, et le français. Donc tous les trois veulent sonder c'est quoi le potentiel du pays d'en face. Et donc ce sont trois personnages qui sont là pour cacher leur souffrance. Et en fait, tous ces mensonges sont des expressions d'amour, sont des cris d'amour qu'on ne leur permet pas de crier. Donc c'est un roman d'amour, c'est un roman d'amour des gens auxquels on leur a interdit d'amour pour l'amour des autres, pour l'amour de la nation. Ça s'appelle Les Conspirateurs, c'est chez Albin Michel, c'est le dernier roman de Shan Sa. Est-ce que vous écoutez de la musique, Shan Sa? Oui. Qu'est-ce que vous aimez chez nous en France comme musique? La musique chinoise. La musique chinoise, très bien. Mais rien d'autre? Rien d'autre. Pas de musique américaine, pas de musique française? Non, seulement chinoise. Alors, Claude Nougaro, ça vous dit rien, Claude Nougaro? C'est de quelle région de la Chine? C'est pas compliqué, on va vous faire découvrir alors trois CD. On commence, Jean-Bernard, par Claude Nougaro, chanté par Michel Legrand. Ça donne un jeu de mots comme titre de cet album, Le Grand Nougaro. D'abord, ce que beaucoup de gens ne savaient pas, c'est que Michel Legrand a fait beaucoup de musique sur des textes de Claude Nougaro à ses débuts. Et là, Michel Legrand a voulu rendre hommage à Claude Nougaro. C'est très agréable à écouter, il chante merveilleusement bien. Et à un moment, il y a même un duo... parce que techniquement c'était possible, entre Claude Nougaro et Michel Legrand. Ce duo, c'est les Don Juan. Voici un extrait. Nous les coureurs du Tour de Taille, nous les coureurs du Tour de Taille, nous les gros croqueurs de souris, nous les gros croqueurs de souris, il faut alors livrer bataille, il faut alors livrer bataille, viens marcher vers la mairie, viens marcher vers la mairie, au bras d'une belle maman, pauvre Don Juju, pauvre Don Juan. Je suis fan des deux et puis je trouve que c'est formidable, cette vitalité, la jeunesse de Legrand, c'est une leçon. Jean-Luc, Nougaro, c'était mon idole, donc tout ce qui peut lui rendre hommage, je prends. Ah. Bon, vous enregistrez, peut-être préférerez-vous Kate Bush ou Kate Bosch, comment vous dites-vous? Dans la famille Bush, j'ai tiré la sœur, si je peux me permettre. Et donc c'est un nouvel album de Kate Bush qui s'appelle Aérial. Alors, j'ai beaucoup de mal à m'exprimer sur le disque, c'est un double album. Ça fait 4 fois que je l'écoute intégralement. C'est il y a beau, des hein. choses absolument formidables et il y a des choses qui tirent un petit peu en longueur, mais peut-être qu'il faut rentrer dedans, là encore, si je peux me permettre. L'album donc... s'appelle Aérial, un extrait du clip pour la chanson King of the Mountain. Bon, vous conseillez quand même? Oui, d'abord parce qu'elle a une voix, elle a un timbre de voix tellement exceptionnel. Je crois que c'est bien, aujourd'hui je n'en suis pas sûr. Jean-Luc? Non, c'est la preuve qu'on peut s'appeler Bush et pas faire que des conneries. Elsa? Moi j'adore, moi j'ai toujours aimé, ça faisait 12 ans qu'elle avait rien fait, moi je suis ravie qu'elle revienne. On passe à un troisième choix possible, Sayan Supakru, c'est tout un autre genre. Ah ouais. Oui, et alors là c'est assez rigolo, vous allez voir le clip est assez formidable, ça rappelle un petit peu à Outkast, il rigole, il se moque de Michael Jackson. Donc beaucoup de succès, c'est un groupe qui beaucoup de succès. Oui, mais j'ai du mal à rentrer dans leur musique et surtout dans leur façon de chanter. Mais je pense que c'est intéressant. En tout cas, le clip est formidable. L'album s'appelle Hold Up, la chanson La Patte, Sayan Supakru. Alors, Jean-Bernard, ouais, non, moyen. C'est-à-dire que
Là encore, je suis très partagé. Mettons que je ne sois pas encore assez familier avec leur musique. Elsa Fayard. Mais on a des artistes extraordinaires en France et c'est la meilleure preuve, mais t'as du cérumen dans les oreilles. Toi qui adores le hip-hop, je comprends pas comment tu fais pour ne pas apprécier leur musique. Dès que t'apprends un nouveau mot, cérumen, faut que tu le casses. Non mais ils sont formidables. Aujourd'hui, moi je suis fière d'être française. Il y a des trucs incroyables qui se font en France. Mais je suis est-ce contente. Que la France est fière de toi. J'en sais rien. Non mais attention, ça cartonne. Hein. Ils ont à chaque mais fois cartonné avec leur album Saiyan Supakruz. Je pense qu'ils font partie des meilleurs dans le genre. Christophe. Ouais, moi je suis d'accord avec Elsa, t'as du cérumen dans les oreilles. Jean-Luc. C'est vachement bien, ça vient de Supakru. Et puis en plus, comme Jean-Bernard n'aime pas, j'aime encore plus. Alors, entre la Mandchourie, le Tibet et le 13e arrondissement à Paris, je pense que je choisirais le Rhodap. Eh oui. Saiyan Supakru. Voilà, on défend la minorité, on défend la banlieue et on défend la France. Alors je vous l'offre. Merci beaucoup. Et moi je garde Les Conspirateurs, votre livre récemment paru chez Albin Michel. Merci beaucoup, Shansa. Voilà, pour ceux qui n'aiment pas la séduction, il ne faut pas le lire. Et vous nous avez séduit. Merci, Shansa. Merci. Qui sera le candidat UMP aux prochaines élections municipales de 2008 à Paris? Est-ce que ce sera une candidate? En tout cas, hier soir, Françoise de Panafieux, Claude Goasguen, Pierre Lelouch et Jean Tibéry, les quatre prétendants à l'investiture du parti, se sont affrontés lors d'un débat public à la Maison de la Chimie à Paris devant 1000 militants. Ça a été un vrai débat à l'américaine, et pas seulement parce que c'était notre ami Paul Vermus qui l'animait. À l'heure actuelle, il est effectivement difficile de dire qui va gagner. Peut-être Xavier Tibéry, en tout cas en orthographe, elle a le niveau primaire. Pour parler de ce débat, on va accueillir celle qui est en tête des sondages justement à Paris, la députée maire du 17e arrondissement et ancienne ministre du Tourisme sous Alain Juppé. Donnée en tête dans les sondages, voici Madame Françoise de Panafieux. Bonsoir, bienvenue. C'est normal que vous ayez le sourire, les sondages vous sont plutôt favorables. Non, c'est pas ça. Ah bon? Je suis contente de vous voir. Ah bah c'est gentil. Alors voilà. Merci, écoutez, moi aussi, il y a longtemps qu'on vous avait pas vu. La dernière fois c'était pour une exposition dans le 17e arrondissement de Paris, je m'en souviens. La fois d'avant c'était pour les crottes de chien, bon c'était un peu moins... voilà. Ça s'est arrangé d'ailleurs la propreté dans Paris? Non, ça c'est s'est pas arrangé. C'est un cri du cœur. Ah bon? Moi, je fais des toutes petites crottes... enfin pas moi. Elle est incorrigible. J'ai un chihuahua. Et en plus, ils font dans les caniveaux. On n'a pas le droit de laisser dans les caniveaux. Je ramasse dans le caniveau. Écoutez, je vais peut-être me faire des ennemis auprès des gens qui ont des chiens. Mais que les brigades canines, au lieu de guetter les gens dans la journée, les guettent le soir. Parce que c'est un dépotoir, c'est une porcherie. Il y a de la merde partout dans les petites rues de Paris. Et les rues de Noël ne sont plus éclairées, mais elles sont décorées de merde de chiens. J'imagine quand même que le débat entre la droite et la gauche, et même au sein de l'UMP, le débat sera un peu au-dessus des crottes de chien quand même. Mais je vais vous dire, quand vous écoutez les Parisiens, ils vous disent, un, on a beaucoup de mal à se loger, deux, on a beaucoup de mal à circuler, trois, Paris est devenu dégoûtant. C'est quand même les trois choses qui reviennent indéfiniment, ce sont leurs trois sujets de préoccupation. On a du mal à se loger. Ça, alors là, vous mettez ça sur le dos de M. Delannoy. Vous pensez qu'on arrivait mieux à se loger avant que M. Delannoy soit là? Je constate une chose, c'est que cette année, ça va être 883 appartements neufs qui vont être mis, construits par la mairie de Paris, alors qu'avant, nous en avions entre 4000 et 5000. Bon, pourquoi? Parce que plus aucune décision n'est prise du côté de l'hôtel de ville et que les constructeurs aujourd'hui ne sont plus à Paris, il n'y a plus un seul chantier. Tout est complètement bloqué puisque plus personne n'arrive à avoir de permis de construire. Et alors, passons du permis de construire au permis de conduire, la circulation dans Paris, vous pensez qu'elle est pire qu'avant? Parce que vous pensez qu'elle est meilleure? Je ne sais pas, je me pose une question. Alors je vais vous dire. Quand on roule en taxi, c'est mieux. Ah non, pas partout. Il n'y a pas de taxi. Si, quand on roule en taxi, c'est mieux. Non, non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. D'abord, je vais vous dire. Il y a 50% des Parisiens qui n'ont pas de voiture. Bien sûr. Et par conséquent, quand on parle de circulation, non seulement pour des problèmes d'environnement, mais parce qu'il y a 50% des gens qui n'ont pas de voiture, bien évidemment, on parle aujourd'hui de transport en commun. Simplement, quand on fait des couloirs de bus, vaut mieux quand même que des bus y circulent. Et moi, je les cherche désespérément. Lorsque vous voulez prendre le métro, il est inaccessible, il n'est pas plus sûr, il ne circule pas la nuit, contrairement aux autres capitales européennes. Alors moi, je suis d'accord pour dire aux Parisiens, faites un effort et prenez les transports en commun, parce qu'il faut faire, mais au moins, il faut leur proposer des alternatives et leur proposer vraiment des transports en commun. On vous sent vraiment candidate, hein. Oh là là, c'est parti, hein.
on vous sent vraiment candidate. Vous allez la gagner, cette investiture. Parce qu'avant de gagner contre monsieur Delanoë, il va falloir gagner contre monsieur. Alors, monsieur Tibéri. Il va pas revenir, monsieur Tibéri, quand même. Oh. Là, vous allez gagner contre monsieur Tibéri, quand même. C'est pas possible autrement. Ah ouais. Mais Jean Tibéri ne peut plus gagner, a priori, la mairie de Paris. Mais est-ce qu'il peut la faire perdre à quelqu'un? Bonne question. Non, mais c'est vrai. Mais je pense que c'est pas vraiment comme ça que le problème se pose. Je pense qu'aujourd'hui, vous avez trois candidats et une candidate. Et vous avez un parti qui jusque-là était un peu rigide, qui a décidé, parce que Nicolas Sarkozy l'a voulu, de devenir démocratique. Et aujourd'hui, on dit, eh ben, c'est vous les adhérents, ceux qui auraient adhéré avant le 31 décembre, qui choisiraient en 2006, en février prochain, votre candidate ou votre candidat. Vous avez bien repéré, ce sont ceux qui ont adhéré avant le 31 décembre, qui pourront choisir leur candidat. Bon, à la sortie, je distribue quelques bulletins d'adhésion, si vous voulez bien. Jean-Bernard Hébé et Elisa Fayer sont allés hier soir à la maison de la chimie. Je ne sais pas si chimie il y a eu dans cette maison, mais en tout cas, vous avez assisté à ce débat, non pas à l'américaine, mais... Ah, mais carrément. Carrément, vous Ah non, c'est le Jerry Springer Show. C'est à mourir de rire. Alors, vous êtes tous là derrière vos tribunes. Mmh. Il y a un gong. Alors, c'est comme une émission de télévision. Un gong chinois. Il y a un gong. Il paraît, vous n'avez pas pu tout dire à la fin. Vous avez été coupé par le gong chinois. J'ai mais plusieurs, oui, ah, plusieurs fois, nous Donc avons vous été Vous avez trois minutes pour exposer leurs idées les uns et les autres. Paul Vermus y tenait absolument. Vous aviez carrément une espèce d'applaudimètre. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous prononciez le mot de Delanoë, il y avait des gens qui disaient « Ouh, ouh ». Alors, le discours était ponctué comme ça de « Et non, c'est à cause de M. Delanoë ». Et puis, il y avait les gens derrière « Ouh, et c'est la faute de Delanoë ».« Ouh, et Delanoë n'a pas fait son travail ».« Ouh, c'est un menteur ». ».« Ouh ». C'était à mourir de rire. Alors, vous y alliez vraiment super franco les uns et les autres, avec une certaine cohésion quand même. On sentait que vous étiez vraiment solidaires, mais contre Delanoë. Attendez, je voudrais vous interrompre parce que sur cette photo, Jean-Bernard Hébé, vous dormiez, vous, pendant ce temps-là, qu'est-ce que vous faisiez? Non, j'écoutais très attentivement. Mais je vais vous dire, là, c'était pas moi qui parlais parce que quand il me regarde, il a un autre regard. Non, alors, il faut dire une chose. D'abord, c'est tout à l'honneur. C'est tout à l'honneur de l'UMP, en l'occurrence, de faire des primaires. C'est-à-dire qu'il y avait d'un côté un homme et une femme, en l'occurrence Lelouch et Madame de Panafieux, qui disaient des choses sensées, sensibles, intelligentes, avec une petite pointe, effectivement, contre Delanoë, et qui ne recueillaient pas. Un délire, il y avait bien quelques crétins avec des trucs comme au football, des t-shirts, moi, on a tout. Hein. Mais alors, Goasguen, qui a priori devrait être un monsieur intelligent, n'a dit que des conneries. Quand on écoutait Goasguen, on avait l'impression qu'on vivait à Ouagadougou. La France était un pays sous-développé. Il a traité l'équipe de Delanoë. Les ayatollahs, les khmers verts. Vous savez-vous qui avait dit les khmers verts? À un moment, il avait des accents de Gaulle. Gaulliens. Ah, oui. Il dit Paris asphyxié, Paris muséifié, Paris momifié, Paris libéré. Mais c'est Pierre Lelouch qui a dit ça. Et c'est Goasguen, parce que je trouvais qu'il n'avait pas dit conneries Lelouch. Vous avez dit les khmers verts. Ça, c'est fort quand même. Hein. Pourquoi les Khmers verts? Alors moi, je vais vous dire. Vous y allez fort. Vous parliez tout à l'heure de la circulation. Ouais. L'adjoint vert de M. Delanoë, lorsqu'il a parlé pour la première fois de la circulation, je le cite dans le texte, a dit « Quelle est ma politique ?» en répondant à un journaliste. « On va faire vivre l'enfer aux automobilistes. Mm-hmm. » Je suis désolée, mais ça, ce n'est pas une politique. Et c'est la raison pour laquelle je dis qu'on n'a pas le droit d'avoir des démarches aussi idéologiques. Il faut être pragmatique, il faut prendre en compte toute la population et se dire, eh bien, il y en a qui peuvent avoir besoin de leur voiture pour travailler ou parce qu'ils sont âgés. En tous les cas, cela, il faut leur permettre de travailler, ne pas les isoler. Paris sans la voiture, c'est impossible. Moins de voitures et mieux de voitures, très bien. Et regardons comment on fait. Il faut être plus pragmatique qu'idéologique, mais ce type de phrase que je viens de citer est inadmissible dans la bouche d'un élu. Est-ce que vous supprimerez Paris-Plage, Françoise? Soyons très clairs, moi je suis pour la fête à Paris, j'adore la fête à Paris. Sur les nuits blanches, je suis entièrement d'accord sur la démarche, parce que subitement, vous avez toutes les galeries, tous les artistes, tout ça, qui se mettent en marche, si vous voulez. Et la mairie de Paris, qui à cette occasion-là, fait un feu d'artifice. Donc la nuit Autant blanche, je suis plus réservée sur Paris-Plage, parce que j'aimerais qu'à cette occasion-là,
tous les stades, toutes les piscines proposent des animations formidables et que ce soit pour la population l'occasion de redécouvrir tout un patrimoine que nous avons. Mais Paris Plage reste enfermé dans son concept et n'a aucun rayonnement à l'extérieur. Donc oui. D'autres villes l'ont acheté quand même le concept Paris Plage. Enfin, ils lequel ont, plage. Il y a d'autres villes européennes ou étrangères qui. Qui disent qu'elles sont intéressées mais qui ne l'ont pas acheté. Non, pas encore. Oui, oui. Vous êtes sûr? Et donc oui. Je peux citer des villes qui l'ont pris. Et par conséquent, Deauville, Saint-Trope. Christine. Noirmoutier. Alors, moi, je me sens très concernée. Alors, pour tout vous dire, c'est vrai que j'ai voté de la Noé. Mais il paraît qu'il y a des gens très sympathiques partout. Voilà. C'est un type que je trouve absolument pas désagréable, etc. Il a fait des trucs pas mal. Mais il se trouve que là, vraiment, je vais avoir à m'interroger parce que j'aime bien Françoise de Panafieux. C'est une aristo, mais elle n'est pas prout-prout. Enfin, va quand même falloir changer la broche et les boucles d'oreilles. Parce que... Alors, vous savez ce que c'est que ça? Elle se pose sur la broche ou... Attendez une minute. Ça, vous savez ce que c'est que la coccinelle? Oui, la bête à bon Dieu. Non, et puis, c'est le vrai porte-bonheur. Oui. Voilà. C'est pour et ça. Donc, en ce moment, mais je suis dans une période où je me dis, allez. Mais il y en a plein les trottoirs des porte-bonheur, vous l'avez dit au début de l'émission. C'est juré, la prochaine fois, je mettrai mon sautoir. Donc. Oh, je sens qu'elle a... Alors, elle a commencé à allumer de Jean-Bernard Hébé, et puis là, maintenant, elle parle de sautoir, c'est une coquine. Et donc, c'est tout un compliment. Je vais bien... Bon, alors, moi, c'est vrai que j'ai envie de soutenir les femmes, voilà. Delanoë avait promis des crèches. Ouais. Beaucoup de crèches. Je voudrais savoir où sont les crèches. Moi, mes copines, elles sont toutes en panique. Paris, mais tes copines, elles sont encore enceintes? Pourquoi Paris? Bonjour, moi aussi d'un bon chinois ici, puis aussi de donner la parole de façon équitable à tous les chroniqueurs. Sophie n'a encore rien dit. Ça va être équitable parce que moi, la politique, j'ai l'impression que tout le monde dit la même chose. En revanche, je vous ai vu la semaine dernière à la dernière sauterie de l'UMP. J'ai essayé de guetter un petit peu la fiancée de Sarkozy sur l'image. Il n'y avait que vous. Une tête de gagneuse, le brushing impeccable, le sourire jusqu'aux oreilles, vous étiez divine. Mais vous êtes pas mal hein, aussi, je oui, sais, vous avez l'air mais moi, il y a du boulot. Voilà. Et alors donc, je vous trouve admirable. Vous faites du roller, vous faites de la guitare, vous faites du tennis, vous faites de la pêche à la crevette. Vous devez avoir aussi un petit peu la main verte parce que vous êtes occupé des jardins à Paris sous Tibéri, ou avec Tibéri parce que personne n'est parfait. Bon, je vous trouve... Mais comment faites-vous pour être toujours aussi magnifique? Parce que vos petits camarades de jeu avec un costume grand tracite, ils nous font l'année. Tandis que vous, je vous observe, vous avez tous les jours une tenue différente. Il y a qu'hier, vous avez mis la même broche qu'aujourd'hui. Oui. Ça craint. Ça craint. Mais autrement, vous avez tous les jours une tenue différente, un brushing impeccable, un petit maquillage léger de bon ton, mais bien présent. Vous êtes magnifique. Et comment vous faites pour gagner le temps? Avec 4 enfants, 3 petits-enfants, un mari solide. Enfin bon, comment vous faites pour gagner du temps sur les autres et être une gagneuse? Moi, je vote pour vous, en tout cas, en tant que femme. Waouh. Eh bien, faites venir. Ça va se gâter. Je vais donner la parole à Christophe à l'évêque. Oui, là, ça va se gâter. Non, 2008, c'est loin. Il va en passer de l'eau sous les ponts de Paris. C'est vrai. Les sondages, bon, on sait ce que ça vaut. Hein. Moi, je crois plus en l'horoscope qu'au sondage. Et puis, alors, je ne comprends pas cette mode dans tous les partis politiques de faire voter les militants. Cet ersatz de démocratie, je n'y crois pas, mais alors une seconde. Tout se passe en coulisses et tout le monde le sait. Ça ne sert absolument à rien de faire voter des militants qui, très souvent d'ailleurs, sont en décalage total avec l'opinion publique. D'autant plus que, j'ai lu ça de quelqu'un de l'UMP, donc celui qui aurait été élu donc aux primaires sera prédisposé à être candidat. Donc ne sera pas forcément candidat. C'est pas joué. Donc il y avait déjà les candidats à la candidature, maintenant il y a les candidats à la candidature de la candidature. Et puis moi je vous aime bien, il n'y a pas de problème, mais d'un autre côté, si vous êtes là, ça veut dire que Tibéri n'est pas là, donc Xavier non plus. Et en ce moment, les Parisiens ont besoin de rire énormément et ça va leur manquer. Par contre,
Vous êtes assez drôle aussi, parce que là, j'ai lu une blague que vous avez sortie. Vous dites, contrairement à d'autres, je tiendrai mes promesses. Jean-Luc Lemoyne, qui n'a encore rien dit, pauvre Jean-Luc. Ben oui, le pauvre. Parle de lui à la troisième personne. Mais il vote pas vraiment, Jean-Luc. Hein, c'est, si, je vote, mais je vote pour des programmes. Par exemple, c'est vrai que moi, j'en peux plus. Je suis pas d'accord avec vous, et vous savez, moi, pour venir, j'habite pas très loin du Moulin Rouge. Si je prends le métro, je mets 5 minutes, 10 minutes. Si je prends un taxi, je mets 3 quarts d'heure. Donc, et même les taxis le disent eux-mêmes. Je vous assure, c'est un vrai souci. Donc, je voterai pour le candidat qui s'engage à développer l'hélicoptère, déjà. Et la Seine. Et très peu de gens s'y engagent. Ce que je voudrais savoir, c'est deux choses. Qu'est-ce que vous comptez faire pour la subvention du Paris Saint-Germain? Et deux, je voudrais savoir aussi, sur la réunion qu'il y a eu hier, on a lu que les primaires avaient été voulues par Nicolas Sarkozy, le président de l'UMP. Je voudrais savoir, est-ce que quelque part, quand même, vous n'avez pas l'impression de servir de cobaye pour la présidentielle, et que ça... Parce que j'ai lu aussi que celui qui serait désigné par ses primaires, c'est même pas sûr que ce soit le candidat... On revient à ce qu'a dit Christophe, c'est intéressant d'y répondre à ça. Alors. Simplement, là, il va y avoir 15 ou 16 000 personnes qui vont voter en février prochain pour dire, à Paris, quel est le candidat, la candidate de leur choix. Il est beaucoup plus difficile de faire un parachutage quand vous avez sollicité l'avis de 15 000 ou 16 000 personnes. Je ne connais pas de président du MP qui prendra ce risque-là. Car de se mettre 16 000 personnes à dos d'un coup d'un seul, celui-là, il n'est pas né. Et sur le PSG? Ah, et sur le PSG, on se donne rendez-vous au stade, si vous le voulez bien. Ah, ben ça y est. Merci d'être venu sur notre plateau. On reviendra peut-être pour la sortie de votre livre en janvier. Ma Paris gagnant. Ça se retrouvera en janvier chez l'Archipel. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Notre dernier invité pour ce soir, c'est l'interprète de Voici les clés. La 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 la. De Gentil Dauphin. Si j'étais président, enfin, je vais pas vous faire la liste parce qu'il y en a des tas de tubes, sans compter évidemment la célèbre ballade des gens heureux, vous aurez reconnu Gérard Lenormand. Ce soir, il ne vient pas pour un nouvel album, ce sera à venir, mais pour une expérience assez étonnante, il va chanter dans les églises. Oui, pas dans des salles de concert classiques, dans des églises. Faut pas oublier qu'il avait chanté L'Enfant des cathédrales. Voici donc Gérard Lenormand. Pas de livre, hein? Pas de disque à vendre. Je sais que vous travaillez sur un nouvel album, mais ce sera pour plus tard. Oui, là, j'ai deux projets. C'est de réenregistrer d'anciens titres qui ont été de gros succès. L'Enfant des cathédrales, encore, vous chantez encore? Oui, bien sûr. Et là, dans les églises? Là, en l'occurrence. Alors là, ce qui est un peu nouveau, du fait qu'on m'ait proposé de faire cette tournée dans les cathédrales, justement, j'ai fait deux tests au mois de juin dernier qui se sont révélés tellement jouissifs, je dirais. Et puis j'ai chanté L'Enfant des cathédrales, que j'avais écrit, une chanson qui était très importante, puisque dans mon enfance, le seul lieu où j'avais la possibilité de toucher un clavier, de faire un peu de musique, et surtout de laisser un peu aller cet organe qui est ma voix, un peu particulière, mais qui s'est quand même pas mal arrangé. Arrêtez avec vous commencez à exciter Christine. Et c'est là où j'ai reçu j'ai été touché par la spiritualité et les lieux restent toujours sublimes. Et c'est un grand bonheur que de chanter dans ces lieux-là. C'est pendant la messe là, que vous chantez? Mais non, pas pendant la messe. Non, je fais pas la messe. Ah bon, je croyais que vous chantiez pendant la messe. J'ai été enfant de chœur quand j'étais plus jeune. Mais le public est en communion quand même. Le lieu, beau, bien sûr, qu'il est en communion, mais c'est moi qui le suis surtout. Christine, bravo. Alors, moi j'aime bien Gérard Lenormand. Il se trouve que je lui en ai un peu voulu au début de sa carrière parce qu'il a remplacé Julien Clerc nu. On ne remplace pas Julien Clerc. Pour moi, il était remplaçable. Je ne l'ai jamais remplacé. Vous avez été nu sur scène de R, j'ai vu que vous aviez un très bel encensoir. Hein? En bikini? Ah non! Non, en monokini, enfin, bah, écoutez, en maillot de bain, quoi. Ah, vous étiez en maillot? Jamais on a été. Ah si! Ni lui, ni moi. Ah si! Tu confonds avec le théâtre des deux boules.
Alors, tu confonds avec ta vie privée, surtout. J'ai souvenir, alors ouais, j'avais 15 ans. C'était bien fait. Ah, c'était bien fait, on croyait que vous étiez nu. Ah bah, moi, j'ai cru que vous étiez nu. C'était pour le baptême, oui, bien sûr. Ah, d'accord. Et donc, vous aviez ce côté à aller jouer dans des comédies musicales comme ça, R, qui était à l'époque assez... Je ne jouais pas, moi, à l'époque. Mais vous chantiez, qu'est-ce que vous faisiez? Non, bien sûr, j'ai repris le rôle de Claude. Voilà. Effectivement. Et donc, c'était un côté 68-art, machin et tout. Et lui, Julien, je trouve qu'il est parti sur des textes plus intéressants, plus élaborés. Ça, c'est moins gentil. Plus intéressant au départ. Et vous, quoi, au départ? Je dis, vous faites des corrections, je fais les miennes. D'accord. Et je trouve, et je regrette, Gérard, que vous soyez resté quand même un peu sucré. Alors que, quand je vous ai découverte, j'aurais très bien pu devenir fan de Lenormand. Ben non, je suis devenue fan de Julien Clerc. Ça prouve que vous ne connaissez pas mes derniers albums. Ah non, mais moi, peut-être, mais moi j'avais 15 ans quand je suis devenue femme. Bien sûr, donc vous n'avez pas changé. Il est tout de suite parti sur des textes qui étaient... Il avait Étienne Rodagile. Il avait Rodagile, et je trouve que vous avez été un peu court côté parolier. Je ne sais pas c'est si vous... Sûr. Voilà, on n'a pas le même parcours. Voilà. Moi, j'avais un gros problème avec une certaine enfance que j'avais du mal. Et j'étais resté sur cette une idée de la vie assez assez imaginaire, puisque j'avais dû l'imaginer pendant tellement longtemps que je continuais. Je l'ai fait partager. Beaucoup de gens l'ont partagé avec moi. Mais il est évident que depuis un certain temps, j'ai un peu quitté cet univers et j'ai écrit des choses qui, à mon sens, sont au moins aussi importantes que les chansons dont vous parliez et du chanteur dont vous parlez. Puis c'est pas vrai sur certains albums, moi je me souviens. Si, j'adore Julien, je pense pas que ce soit réciproque, mais moi j'ai le courage de mes amitiés. Ah, il vous aime pas lui, vous trouvez ? Je pense pas qu'il m'affectionne particulièrement. Il y avait quand même des chansons engagées mais sur moi, certains... j'ai écouté Julien Clerc comme n'importe quel client de Julien Clerc. Et j'ai écouté bien d'autres gens aussi, parce que la bonne musique, les bonnes chansons et les bons chanteurs m'intéressent. Il en faisait partie. Et j'ai jamais été gêné de dire que j'aimais un tel ou autre. Pour rectifier quand même, il y avait sur les premiers albums, moi je me souviens par exemple de la chanson Soldat ne tirez pas, c'était une chanson... Maurice Vidalin quand même, qui est un des plus beaux auteurs qu'on ait eu. Et lui, avec ses mots, vous construisez un décor et surtout vous fabriquez un personnage extraordinaire. Vidalin. Et je pense à lui tous les jours et je pense à lui... Plus court, Gérard, plus court. Jean-Bernard Hébé. Jean-Bernard, tu n'es pas candidat à la mairie de Paris. Bon. Évidemment, avec Gérard, on se connaît depuis très longtemps. Et donc, moi, je ne voudrais pas lui parler de son parcours musical. On sait, on connaît, il y a des choses que j'adore, il y a des choses que j'aime moins. Je ne mets pas un CD chez moi de Gérard Lenormand. Mais par contre, quand j'entends parfois une chanson, je dis « Ah oui, tiens, ça, qu'est-ce que c'était bien ?» Ce que j'aime chez lui, qui ne lui a pas toujours réussi, c'est que c'est un homme de conviction et c'est un homme qui parle et qui dit les choses. Il n'a pas peur de dire « j'aime pas », donc c'est vrai que je me retrouve un petit peu là-dedans, de provoquer la polémique, et en cela, il est éminemment respectable. Sophie Garel. Bah, juste une petite phrase, on va faire court. Est-ce que vous faites la quête à la fin de... dans les églises l'église. Non, mais j'ai plaisir à... Comment ça se passe dire, c'est payant, l'entrée? C'est une vraie question. Mais oui, c'est payant, bien sûr. On paye l'entrée de l'église. Bah oui, c'est vrai, je le déplore. J'adorerais chanter gratuitement. Mais bien qu'encore, ce soit un mauvais principe. Christophe Alévèque. Ben moi, j'aime beaucoup les chansons de Gérard Lenormand et depuis toujours. Voilà. Et alors, faire des tournées dans les églises, moi, je trouve ça génial. Vous pourriez pas chanter vos chansons, vous, dans les églises? Ah, mais pourquoi pas? Ma bite parle dans une église. Et alors, tu te rends compte la résonance? C'est ça. Et je ne chante pas que ça. Moi, et je rêverais de jouer mon spectacle dans les églises. C'est vrai que les églises, on y met les pieds que pour les catastrophes, les mariages ou les enterrements. Là, au moins, un spectacle présenté par le curé, maintenant, mes amis et messieurs, Christophe Lévesque, qui est là, rentré sous la scène. Mais non, mais c'est vrai, comme ça. Et puis là, tout d'un coup, sous les ovations et les projecteurs. Hein, rien que de penser avec Sœur Marie-Thérèse au premier rang, moi, rien que de penser à Sœur Marie-Thérèse, bon. Thierry, quoi, tu vois, c'est ça. Et arriver comme ça, Dieu partage tout. Thierry, ne vous en plaise. Mais oui, Dieu partage tout. Les riches auront la nourriture et les pauvres de l'appétit. Ouais. Et à la fin du spectacle, tu te confesses et après tu vas aux putes comme tout le monde. Jean-Luc.
Moi j'aime beaucoup Gérard Lenormand parce que je trouve que c'est un vrai chanteur populaire, mais dans ce qu'il y a de plus noble, avec des chansons qui nous sont rentrées dans la tête, moi, au moment de mon enfance et qui sont jamais sorties. En plus, c'est un visionnaire. C'est un visionnaire parce que quand on voit, si j'étais président de la République, quand on voit son gouvernement, je nommerais bien sûr Mickey Premier ministre, un petit avec des grandes oreilles, ça vous dit rien. Simplet à la culture me semble une évidence. Bécassine au commerce, enfin, il y en a eu plein. Et on a dit que vous aviez des textes candides, mais j'ai l'impression qu'il y a aussi des textes coquins quand même, un petit peu dissimulés. Est-ce que vous allez les chanter? Alors notamment, est-ce que vous allez chanter Vive les vacances? Ah oui. Dans le texte, il y a quand même Vive les vacances, on se fiance, adieu prudence, il n'y a pas d'offense. Ouais. Donc peut-être un petit peu de libertinage. Et surtout. Mais c'est sûr. Mais pour l'heure, on est à la bronzette, à la sieste améliorée, je bois du sel à ta source enchantée. Vous parlez de quoi, là, Gérard? Eh oui. Et ça, c'est encore le talent de Maurice Vidalin. Exact. Moi, j'aime beaucoup Gérard Lenormand, surtout parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup d'humour. Bah, merci. Moi, je suis fan des Sous-doués. Le film, et à un moment, il y a Daniel Auteuil qui dit « Le Normand, je vais te faire bouffer tous tes disques d'or, le Normand, même tes disques de platine, tremble le Normand, tremble !» Moi, c'est une phrase qui me fait beaucoup rire, vous avez joué le jeu dans ce film, et c'est vrai que je me régale à chaque fois que je revois cette séquence. Mais il y a un scoop, alors là, j'ai ignoré, c'est vous qui êtes le producteur du groupe Imagination. Oui. Et c'est vous qui êtes à l'origine du groupe Indochine. Je suis quelqu'un de très discret, je ne me sens pas obligé de battre le tambour quand je fais quelque chose de bien. Donc, tout votre répertoire, ma chanson préférée, c'est peut-être pas forcément la plus connue, mais ma chanson préférée, je sais pas si vous la chantez dans les églises, j'aimerais bien juste, en plus c'est l'époque, c'est la saison, ce sont les matins d'hiver. Gérard Lenormand. Je me souviens de ces matins d'hiver, dans la nuit sombre et glacée, quand je marchais à côté de mon frère sur le chemin des écoliers, quand nos membres encore tout engourdis de sommeil grelottaient sous les assauts du vent, nous nous battions à grands coups de boules de neige en riant. Le refrain. Et il fait toujours beau et tous les jours sont chauds et l'on passe sa vie à jouer. C'est très joli, j'adore cette chanson. Les matins d'hiver. Gérard Lenormand dans les églises en tournée. Je vais donner l'Ave Maria si vous voulez. L'Ave Maria, ce sera à Orléans, à Saint-Abergerac, à Lyon, dans toutes les églises ou cathédrales où vous chanterez jusqu'au 22 décembre. Vous restez avec nous pour le qui a vu qui a vu quoi. Très vite le classement, il va y avoir un match à suivre terrible sur ce plateau, Gérard. Ce soir, regardez en haut du classement, Jean-Luc Lemoine est passé en tête, 22 points devant. Quand est-ce qu'il est passé en tête? Pendant que vous n'étiez pas là, devant Christophe à l'évêque, c'est le match du soir. Bon, Elsa a 12 points. Oh, c'est pas mal. Dans les profondeurs du classement, vous retrouverez Jean-Bernard Hébé avec 2 points seulement. Alors j'en ai un de trop. Un duel à suivre quand même entre Sophie Garel, 7 points, et Christine Bravo, 5 points. Première photo. Que représente ce tableau? Est-ce que c'est un peintre connu? Oui. C'est un peintre allemand? Non, pas allemand. C'est Van Gogh? Pas Van Gogh. Français? Français, non. Pas français. Alors, s'il n'est pas du allemand, s'il n'est pas belge, il est Pays-Bas. Européen. Autrichien. Pas autrichien. Munch. Hollandais. Munch. Excellente réponse de Jean-Luc Lemoine. Munch. Pour son prix, le prix de Munch. Qui a disparu d'ailleurs. Vous vous rendez compte, Jean-Luc? C'est qui la spécialiste? Même en peinture, il marque un point. C'est pas évident. C'est pas évident. Parce qu'il est devenu très abstrait après. Photo suivante. De qui s'agit-il? Ah, c'est George celui Best. Qui voilà. Georges Best, un point, Christophe Best. Bien, Jean-Luc, je l'ai sûr. Je l'avais. Je l'avais. Je l'avais. Comment vous l'avez? Parce que j'ai noté tout ce que toutes les photos que j'ai vues, j'ai noté en disant, elle est feuillette. Mais je les avais pas dans le bon ordre. Photo suivante. Ramon Arumsas. Pardon? Rumsas. Rumsas, excellente réponse, le cycliste. Entre ses actuellement avec sa femme pour dopage. Elle fait trop de bruit là, je peux pas, j'ai même pas vu la photo. C'est qui Rumsas? C'est un cycliste lettonien. C'est un drogué, un cycliste. Sa femme avait été emprisonnée il y a 2 ans au Tour de France parce qu'elle avait des produits dopants dans sa voiture. Ça m'énerve, tu vas trouver. C'est sa femme qui prend tout, il faut dire. Ouais. C'est elle qui prend tout. C'est elle qui transportait les médicaments. Non, c'est pas elle qui prenait. On voit qu'elle prend tout. Regardez la tête qu'elle a. Photo suivante. De qui s'agit-il? Un acteur? Un acteur. Français? Français, non. Brad Pitt. Brad Pitt, excellente réponse de Jean-Luc Lemoine. Jesse James.
Mais il est où? Mais il est où? Allez, mec. De toute façon, Jean-Luc, vous êtes le plus brillant. Vous avez encore marqué des points ce soir. Bravo. Bravo. Génial. Bravo. Merci beaucoup. Est-ce que... Tiens, voilà, si ça n'a jamais été fait, c'est une injustice. C'est ce qu'ils vous ont appelé parfois, les enfoirés, pour chanter avec jamais. Vous. Jamais. Jamais, bah, ouais, pourtant, j'ai été un des premiers à participer avec, aux côtés de Coluche à ces manifestations. Bon, alors on va quand même... J'ai toujours suivi, mais moi je fais la province. Ouais, on va quand même... Et je considère que je fais autant... Sinon plus. Bien sûr. Les enfoirés, la compile, hein, 15 ans d'enfoirés. Voilà, signalons quand même le DVD oui, et la compile pour les Restos du cœur. Et puis, c'est pas normal que Jean-Jacques Goldman et les autres vous aient pas encore appelé pour faire partie. Non, mais ils ont dû oublier, je pense. Bah, ils vont penser à vous, j'espère, pour l'année prochaine. Attention, demain soir, samedi soir, hein, n'oubliez pas, nous sommes là. Notre invité sera Jean-Marie Bigard. Bon week-end.